Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkin Echo et on continue ce let's play sur Deus Ex Human Revolution où on va aller se balader chez les méchants. Bah oui, je suis ready to leave, évidemment, je suis toujours ready to leave. Detroit local, this is Seraph Industries Bravo Echo Echo 008, continuing on. Et un nouveau point de dynamisation. Alors, je ne me souviens plus du tout de cette zone, en quoi elle consiste. Richard, you got coordinates on that factory yet? I was only able to pinpoint an approximate area, Jensen. So scout around and look for anything unusual. I'll keep monitoring the frequency in case it suddenly goes active. Ok. Et je suppose que vous n'êtes pas spécialement joueuse de me voir. Bonjour, Kazeshinis. Star Citizen. Tu as finalement abandonné le visionnage de la Gamescom pour venir voir la contre-programmation. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Non, c'est le principe d'une porte grillagée. Est-ce qu'on peut ouvrir cette vanne? Non, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Bon. Membre du gang des flingueurs. Ouais. Oh cool, du loot, toujours bon à prendre le loot. Ouais donc ouais, je suppose qu'il faut aller par là vu qu'il y a une grosse flèche avec une grosse croix qui me dit va par là. Bon, on va d'abord finir de farfouiller, mais en fait il n'y a pas grand chose à farfouiller dans la zone. Très bien, allez, let's go. Let's go. Bonjour. Bon alors je pense qu'on va bientôt arriver en zone hostile, donc on se met en crouch réglementaire. Hop. Oh, ah non. Oh, le faux espoir, j'ai cru que c'était des puces de crédit. En fait non, c'est juste des étiquettes pour nos postes. Oh là là, quelle déception. Ouais. Déception, déception. Bon, pour l'instant il n'y a pas de flèches qui me disent danger, danger, donc... On va continuer à avancer tranquillement. Ou pas. We've been compromised. Manderly was supposed to have that morgue locked down, but somebody got to the corpse before we did. We can still reconfigure, track this Yahoo down. It's too late for that. It's time to clean up. But what about the Dutchman? No loose ends, Barrett. Bon, il y en a un qui va mourir. Why? What's going on? They're here. The mercs who killed Megan and her team. Fuck. I'm going in. Ah, là c'est bien une puce de crédit. Faut jamais désespérer. Les gens laissent traîner leur fric n'importe où. Est-ce qu'on peut regarder par la fenêtre leur ronde? Donc là, lui, il glande. Comme tout bon garde qui se respecte. Allez. Hop, hop, hop.
Ici, il y a quoi? Il n'y a rien. Évidemment qu'il n'y a rien. Alors. Ouh, il y a du peuple. Il y en avait un qui était plus proche là. Bien, ils ont fini de taper la discute, de papoter comme pas permis. Donc, maintenant on va pouvoir analyser un petit peu tous les patterns de ronde. Bon déjà, il y en a un qui fait chier parce qu'il nous regarde, mais il est derrière ce camion. Donc au final, il fait que très moyennement chier. Toi, tu fais juste des simples petits allers-retours. Ok, tu fais que de simples petits allers-retours. Et ça. Et ça, je pense. Ouais. Et techniquement, là, on peut venir s'y planquer si on veut. Non, on peut pas en fait. On peut pas se relever. C'est trop. Très bien. Ça, ça peut être pris. Parfait. Petite fléchette électrochoc, ça fait toujours plaisir. Sauf que là, lui, il va être pile... Voilà. Je vais être dans son champ de vision. Donc ça, c'est pas très cool. Ça, c'est pas très cool. Les autres ont pas l'air de vouloir bouger. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Faut que je fasse gaffe de pas me balader non plus la bouche en cœur, hein, parce que je peux quand même toujours tomber sur des gardes. Là, il y a moyen de planquer des gens, je pense. Ok, d'accord. Bien. Là, on a une meilleure vue d'ensemble. L'autre là-bas, comment il réagit? Parce que je l'ai vu se déplacer. Ah d'accord, lui il se retourne, faut faire attention. Lui, il va par là-bas. Et je pense qu'il vaut mieux se caler par ici. Et puis bon, on va tenter notre chance au prochain aller-retour. Tes souhaits. J'imagine toujours le gars qui dit à tes souhaits au garde qu'il est en train de sniper entre guillemets. Enfin de stalker plutôt. Hop 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 hop, tu viens très rapidement, sinon ça marche pas. Allez. Voilà. Là on est tranquille. On va pouvoir se faire des papouilles entre les caisses. Hop, on va te caler par ici. Histoire d'être sûr qu'on vienne pas te réveiller. Voilà. Non mais sérieux, tu viens au travail sans rien sur toi. Comment tu fais pour manger le midi si t'as pas d'argent? Hop, là. Y'a personne. Hop là. À nous. On a un là-bas, j'ai l'impression, mais... Ah non. Ok. Bon. Ok. Bien.
J'ai cru qu'il allait se déplacer, mais en fait non, il finissait de s'étirer, ce con. On va te planquer par ici. Ça ira bien en attendant. Hop. Voilà, un bon petit mur pas visible. Ça fait toujours plaisir. Mission. Ok. Encore d'autres munitions, je suppose. Voilà. Et toi, qui n'as pas l'air de vouloir bouger outre mesure. Hein. Si, c'est bon. Tu viens vers moi, c'est trop gentil. Par où tu repasses après? Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Là-bas, il y a un garde. Quand est-ce que tu reviens, toi? On te voit pas bouger. T'es là? Ah, mais t'es là! D'accord. Et là, tu fais que ces petits allers-retours, ça va être un petit peu naze. Oh putain. Non, c'est bon. Ok. Ah bah, il y en a un. Il pourrait me voir. Toi, t'es revenu à ta position ou pas? Non. Bon. Toi, en gros, je sens que je vais pas avoir des masses le choix. Et qu'il va falloir que je te caote. De façon... Ça va pas marcher, l'autre, il va le voir. Faut que je les attire. Faut que je les attire parce que là ça marche pas. Et d'accord que là je peux venir, je peux me mettre debout, voilà. Un petit carton, c'est très bien les petits cartons. Bon alors, je suis ralenti parce que je porte un carton fragile, faut quand même peut-être pas trop déconner non plus. Alors je pensais pas que ça passerait de l'autre côté du carton. Du carton, du camion. Attendre qu'il s'éloigne un petit peu grâce au radar. Regardez quand est-ce qu'il s'éloigne grâce au radar. Et je vais essayer de vraiment l'attirer, voilà, sur cet endroit-là du camion. Voilà. Voilà. Et mieux. Alors par contre ils sont en contact radio et je le fous KO pendant qu'il est en train de dire nothing here. Normal, personne ne s'inquiète. J'adore ce jeu. Hop là. Très bien.
sont quand même bien armés, hein. Comment je vais passer de l'autre côté maintenant? Il n'y aurait pas moyen. On va repartir par là. Oh merde, je peux pas. Je peux pas. Comment il m'a pas vu l'autre? Qu'est-ce que je peux faire en passant par ici? Ah, attends. Eh oui, je peux pirater. Ah oui, il y a juste du niveau 5, ça va quoi. Bon bah on va essayer. Merde. J'ai paniqué. J'ai paniqué mais en même temps, vu le nombre de virus que j'avais, je pouvais pas trop temporiser. Bon, on a un fusil à pompe. Il m'arrange pas des masses puisque... pas trop le genre d'arme que je compte utiliser. Mais ça fera toujours des sous en plus. Si jamais il y a besoin. J'ai aussi une grenade à fragmentation. Mais bon, je vais quand même pas les dézinguer à la grenade, faut pas déconner. Ah, on peut passer par les hauteurs. Je vois pas trop à quoi ça sert, mais on peut. Oh, ça sert à récupérer du loot. Et ça, par contre, le loot, c'est la vie. Très bien. Alors, les puristes me diront que non, ce qui est la vie, c'est le gras. C'est vrai aussi. Et le loot, dans les jeux vidéo... c'est quand même une grosse partie de la vie. Très bien, c'est beaucoup mieux ça. Même pas je réfléchis, tu vois. Cache, pistache. Hop. Et on t'amène ici. Ici peut-être. Dans un petit coin. Voilà, c'est pas mal ça. Ensuite, là, on a des munitions, ce qui est toujours bon à prendre. Faut que je pense à fouiller l'intérieur, voilà, des caisses, parce que c'est vrai que je pense pas toujours. Et ça peut rapporter gros. Bon. Il a clairement pas compris que je voulais regarder dans la caisse. Si avec tout le bordel que je fous, ils viennent pas, quoi. Là-bas, pareil, on peut passer. Il y a l'interrupteur ici. Toi, tu regardes juste complètement dans ma direction. Après, est-ce que là, tu me vois ? Voilà. Parce que ça aussi c'est une technique, c'est de faire genre coucou et en fait boum. On va juste attendre grâce au radar qu'il soit plus il est en train de venir carrément ici. Non, c'est bon.
Voilà, dès qu'il est plus en alerte, il va être KO. Voilà. Ah oui, merde. Voilà, bon, on va te laisser là, ça ira très bien. Ensuite, toi, t'es en train de glander. Mais je crois que t'es le dernier. J'espère, sinon j'ai fait un petit peu un truc de débile, mais bon. Allez hop. Couché. On prend. Où est mon bzut bzut? Je suis paumé là. Comment j'ai fait pour me paumer? D'accord, c'est ici. Et ici, donc en fait, idéalement, ce qu'il faut, c'est que je grimpe. Alors. Là. Soyons logiques. Parce qu'il y a peut-être des trucs à récupérer. Non, là, je peux pas. Toi, je vais t'amener dans le coude. Très bien. Voilà. Enfin, pas dans le coude, mais à ce niveau-là, quoi. Ok. Bon, là-bas, c'est de là que j'arrive, ça, j'en suis sûr. Ok, ici, c'est ça. Donc, en fait, il faut que je prenne une caisse. Voilà, en toute simplicité. Et... merde. Ouais, non. Enfin, si, mais il faut que je prenne d'autres trucs à côté. Voilà. Que je suis assez proche. Oui. Quel? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des sous. Des analgésiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un monsieur mouru. On ramène bien à l'intérieur. Voilà. Et je pense que c'est tout. Bien. Vous le sentez là, le gars qui est en mode YOLO, c'est bon, j'ai tué tout le monde, je me balade debout. Pop. Le crédit, on prend. Carnet électronique, on lit. Et y a pas un truc à pirater, genre un petit ordi ou quoi ou qu'est-ce? Sérieux? Bon. J'ai vu un système de visée laser. Ah oui, non, d'accord, oui, bon. Ça va. C'est pas dégueu. Système de visée laser. Sur quoi je peux te mettre? Sur le flingue? Sur... ah, mais on a un revolver. À l'ancienne, quoi. Fusil d'assaut. Bon, ce sont les deux qui me permettront de me défendre, donc sur lesquels je vais avoir le plus de stress. Je vais être en mode oh mon dieu, faut que je vise. Et du coup, la visée laser sera quand même bien utile. Là, ici, il n'y a rien, ça a été fouillé. Là-haut, il y a des caisses qui me permettent de monter sur les toits. Et généralement, si on peut accéder à un lieu... et que ce lieu renferme quelque chose d'intéressant. Ou pas. Mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble qui me fait dire que... qui me fait dire rien du tout, en fait.
Là-bas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des bonus. Non, on va redescendre par là où on est monté. On va éviter de se faire du mal. Hop. Là, ici, ça, ça ne sert à rien. Là, ici, hop. Ah, c'est une porte qu'on peut ouvrir. C'est sans doute la suite, d'ailleurs. C'est sans doute la suite. Là-haut, il y avait une caisse, je crois, qu'on pouvait prendre. Non, non, c'est pas ça. C'est ici qu'il y a des caisses qu'on peut prendre. Hop. Voyons voir un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait fouiller d'autre? On pourrait fouiller les camions. Histoire d'être sûr. Non, on peut pas rentrer dedans. Non, on peut pas rentrer dedans. Ce serait un petit peu exagéré. Ok, j'ai compris. Toi, on peut te prendre. Hop, on peut prendre celle-ci avec nous pour faire un petit escalier. Voilà. Ah, le fail. On peut se fail aussi. C'est toujours bien de se fail. Vache, j'ai du mal à visualiser. C'est bon là, ça passe? Ça passe. Voilà. Ça ne sert absolument à rien. Mais ça ne sert absolument à rien. Bon, très bien. Eh ben, je pense que donc on a fait le tour de cette zone. Tac, tac. Ici, on avait vu qu'il n'y avait rien. Là, c'est le petit labyrinthe qui n'est pas un labyrinthe, mais qui est juste un S qui sert à rien. Ok. Et puis là, il y a le gars que j'ai assommé tout à l'heure. Hop, là, ça, on peut pas les ouvrir. Il n'y a rien à pirater. Ici, on peut passer. C'est très bien. Et ben du coup, on va se poster devant la porte et se préparer pour la suite. Clac, clac, clac. Oh. Ah ah. Oui, mettez-vous à genoux quand des coups de feu sont tirés, sans déconner. Attention, ne parlez pas pendant le mouvement, hein. No talking during movement, walk. Donc en gros, pendant les... Ah, je suppose les manœuvres. Movement, peut-être c'est manœuvres. Ne parlez pas pendant les manœuvres, marchez sur une simple ligne et arrêtez-vous à la fin de chaque hall, de chaque salle. Ok, bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On est déjà à une bonne 25 minutes, peut-être un peu plus même, donc on va s'arrêter là. Et puis ben, je vous dis à tout de suite pour la suite si vous êtes motivés. Allez, ciao !